La Caisse des jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Percé, bonne santé financière. L'équipe du bureau touristique de Percé a servi plus de 27 000 personnes. Il nous reste encore 4 semaines d'opération. Lancement de la campagne de dons de la Maison de la famille. Mais je pense que ça vient vraiment répondre à plus le droit, un droit de pouvoir choisir la façon dont on veut accoucher. Intéresser les jeunes au début du cinéma. Donc, je pense que les jeunes du secondaire sont d'autant plus concernés pour comprendre un peu aussi le monde du cinéma aujourd'hui. Un agrandissement de la maison de la famille par enfant. Raison d'être et fonctionnement. Il faut aussi que la personne habite à distance raisonnable de l'hôpital. Donc, pour les personnes qui n'auront pas accès à ça ou qui préféreront venir mettre au monde le bébé à la chambre de naissance, bien, ça devient une option qui devient disponible pour les Gaspésiens et Gaspésiennes. Festival Les Perséides, plus de 120 films présentés. Oui, exactement, revenez, c'est le 17e d'André Forcier. On a eu la chance de le présenter en grande primeur ici à Percé et c'était une salle comble et on a dû même le présenter, même à Gaspé, ça a été une salle comble et par la suite, on l'a représenté 2 soirs. Un premier salon des aînés dans Rocher-Percé. Alors nous, on a décidé d'en faire un peu différent. C'est pas un salon commercial, c'est gratuit, il n'y a rien à vendre dans ce salon-là. C'est vraiment un lieu de rencontre où les aînés vont pouvoir discuter avec les représentants des organismes qui prennent soin d'eux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.